Eh oh, y'a quelqu'un là, toc toc toc. Au fait, je pensais à ce qu'on disait hier. Mm-hmm. Tu disais que je cogitais tout de travers. Oh. C'est qu'à mon avis, c'est toi qui penses à l'envers. Les gens qui disent que le ciel est bleu, n'est-ce pas? Mais en vrai, j'y réfléchis. Et si moi je dis qu'il est gris, et qu'avec moi, tout le monde dit gris, pas bleu, mais gris, toi, qui dit vrai? Le seul fou qui dit bleu? Nous y voilà. Si chacun voit comme vous, ce qui est le cas, on considérera la chose comme ordinaire. Et c'est pour ça qu'on fout tous les fous en prison. Les gens qui pensent différemment sont du poison pour la société. Oh, mais c'est sans comparaison avec ceux qui la font. Hein? Ceux du plafond? Attends, attends. Non mais j'y réfléchis dans mon cerveau d'en haut. C'est enregistré, tu vois, et ça c'est pas nouveau. Mm-hmm. Le destin de l'homme, c'est de pouvoiriser le monde. Notre but ultime, c'est que tout nous corresponde. La vie n'est pas faite pour ceux qui s'en morfondent, qui s'en fabulent, qui rêvassent et qui s'imaginent qu'on peut garder la vierge de nos chrétiens. En résumé, tes enculubrations. Oh! Utopie. Oh. Bon. Il s'agit de tout reprendre du début. Je distingue dans tes propos quelques abus. Regarde. Voilà ce qu'il y avait sur Terre avant. Le soleil, la nature et les êtres vivants. Et alors, hein? Et alors? A-t-on besoin de plus? Évidemment, mon cher, qu'on a besoin de plus. Donne-moi ça, je te montre. Du calme. Et si jamais dans ton joli land où tout est si parfait, il pleut? Ça arrive qu'il pleute? Oui, parfois. Mais que voulez-vous dire? J'avoue que je ne vois pas. Bien, ton feuillu, comme je t'expliquais à l'instant, parce que t'es un homme et que t'es intelligent, t'inventes l'outil adéquat pour fonctionner. T'en fais des belles planches puisque t'es bien équipé. La génialité! La fierté du genre humain. C'est grave. Il faut, pour que le genre humain perdure, prendre soin des éléments qui composent la Terre. Chaque particule de poussière est nécessaire au maintien de l'équilibre. Ouais, mais alors là, t'es rudement exagère, hein. Oh. C'est pas pour un arbre, même qu'il a pas souffert. Et vous, votre comportement est égoïste. Il est primordial que vous acquériez, mon cher, une attitude meilleure et un esprit ouvert. Moi, je suis pas tout ouvert, moi. Ça me paraît clair. Eh bien, je m'en vais te prouver le contraire, vois-tu? Peu m'importe la matérialité, car moi, je suis ouvert à l'espiritualité. Ah, mais c'est très bien, cela, oui. C'est même encourageant. Oui, oui, je sais, je sais. Je vais avec les gens bien penchants, qui croient en un divin de qualité supérieure. Et en plus, je les aime et je fais leur bonheur. Oui, d'accord, je vois. Mais que faites-vous des autres? Des autres? Des autres? Ah oui, des autres. Eh, voyons. Mais on s'en tape le cul dans le bénitier des pas-croyants. Il n'y a pas les mêmes coutumages que les nôtres. Que les vôtres, vous voulez dire? Oh, c'est effrayant comme vous pouvez être méchant et intolérant. Il peut y avoir des croyants dans d'autres lieux que le vôtre. Oh, là. Oui, si. Non, pas ici. Non, c'est trop près de chez moi. Comment voulez-vous vivre correctement en société? Eh oh! Y'a quelqu'un? Toc, toc, toc! Il suffit pour cela que chacun soit chez soi! Et tous tes voisins du coin, tu t'en contrôles! Mais ces confins, alors construits, les gens crieront liberticide ou infamie! Et à l'issue de la lutte, détruiront vos murs et le monde deviendra chaos, je vous assure! Mais non! Mes amis et moi, on se défendra! On s'en bataillera! À l'envers et contre tout! Mais tous ces gens! Qui va venir à leur rescousse? J'y réfléchis, car s'ils en ont envie, moi je leur fournirai des chenillards contre les dollars. Et la mondialisation de l'économie.
pourra boursicoter tous nos techniques au cravage. Enfin, vous finirez par perdre le contrôle. Et le cours de la barrique de pétrole. Et nous ferons la pollution, des constructions, vous ferez un monde de bonheur, de terreur. Ce sera un paradis pour toujours, toujours. Mais que faites-vous de l'amour? De l'amour? L'amour. Oh. Oh. Regardez comment ça serait sans vos idiots. Mais c'est relou. Ce n'est pas vivant, on s'ennuie. Voilà le monde tel qu'il doit être. Un point et... Mais non. Voyez comme tout est respecté ainsi. Chacun est libre de vivre aussi bien là qu'ici. Foutaise! Baliverne! Non! Si! Mais même que si! Et non! Stop! Non! Si! Ça suffit! Sans les troncs! On retourne en cellule! Oh non! Coûtez à peine à m'amuser! Ce n'est pas un jeu, et cela fait des années qu'en vain, j'essaie sans que jamais je ne capitule de vous expliquer à quel point vous vous trompez. Ok, je me trompe. Oh, si seulement vous étiez sincère. Je suis sincère. Ah! Vous êtes là! Oh! Affligeant! Désolant! Mm-hmm.